Bonsoir, chers frères et sœurs. Comment allez-vous en ce milieu de semaine? Moi, ça va très bien, merci. Je vous invite à chanter avec moi ce chant qui nous dit « Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges ». Je vous invite à prendre votre hymne et louange au numéro 505 et nous chanterons les trois premières strophes. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits. Chant retentissant en tout lieu. Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans le temple du Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous mettre en position pour la prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour la prédication de hier soir. Fais que celle d'aujourd'hui soit aussi bien, que le pasteur aille bien, qu'il prêche bien, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est grand roi sur toute la terre, il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds, il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple de Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Je vous invite à vous tenir debout et nous entonnerons notre chantème. Il est bon de partager l'amour du Seigneur. Il est bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle.
dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer. Mille raisons de le louer, et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous croyons qu'il peut tout changer. Alors, j'aimerais voir le cadenas des adultes. Qui a emmené son cadenas? Vous n'avez pas eu le temps? Ah! D'accord. D'accord, au fond. C'est super. Je vous montre une clé. Hein. Je ne vous montre pas le cadenas, je vous montre une clé. D'accord? Une clé. Donc, je vous invite tous à être présents demain soir avec vos cadenas et vos clés. Important, parce que le clou, ce sera demain. Bon courage. Je dis bonsoir à tous. Comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne journée? Excellent, gloire à Dieu. Parfait. Tout à fait. Je voudrais, chers enfants, chers jeunes, chers frères et sœurs, chers amis qui nous visitent, avant de commencer notre méditation, nous allons passer un moment de prière. Je vais vous demander de réaliser un acte de foi public. Il vous a été distribué des feuillets. Et voyez-vous, vous allez écrire sur ce feuillet la raison pour laquelle vous voulez vous adresser à Dieu. Dites à Dieu ce que vous désirez. Le sujet pour lequel vous voulez qu'il réponde à votre supplication, à vos remerciements. Écrivez sur ce papier. Tiens, Félix peut venir. Félix est sorti, va le chercher. Écrivez sur ce papier votre sujet de prière. Et pendant que nous allons chanter ce chant, « Je laisse à tes pieds mes fardeaux », je vais vous demander de vous lever et vous allez venir déposer dans cette boîte votre sujet de prière. Donc, je vous laisse le temps d'inscrire sur votre feuillet votre sujet de prière. Voyez-vous, mes amis, cette boîte n'a aucun pouvoir. C'est seulement grâce à la sincérité de votre cœur et à la foi et la confiance que vous avez pour le Christ qu'il répondra favorablement à votre prière. Et ceci, bien sûr, comme nous l'avons vu hier soir, selon sa volonté. Inscrivez votre sujet quand vous avez fini. Venez le déposer jusqu'ici.
Et tous ceux et celles qui le peuvent à se mettre à genoux. Grand Dieu, Dieu de bonté et Dieu d'amour, nous reconnaissons que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Rien n'est au-dessus de toi, Seigneur. Tout est sous tes ordres. C'est avec un profond respect et avec beaucoup d'humilité que nous sommes agenouillés à tes pieds ce soir. Quel privilège tu nous accordes à nous, simples et pauvres pécheurs, de communiquer avec toi. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Tes enfants, ce soir, ont montré publiquement qu'ils te faisaient confiance. Réponds favorablement, Seigneur, à notre prière et reçois favorablement, nous te supplions, les sentiments de notre cœur. Ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. Tu es le seul à connaître tout les sujets qui ont été déposés dans cette boîte. Tu es le seul à connaître nos cœurs, nos sentiments les plus profonds. Tu connais nos besoins. Ce soir, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi. Et venons tout d'abord, Seigneur, te demander le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, pour le mal que nous n'aurons pas dû faire et que nous avons fait. Mais pardonne-nous également, Seigneur, pour le bien que nous aurons dû faire, mais que nous n'avons pas fait. Sois patient et indulgent, Seigneur. Mais nous voulons te ressembler. Mais nous nous battons, Seigneur. Donne-nous la force de nous battre contre nos mauvais défauts de caractère, la force de résister à la tentation, Seigneur. Nous voulons vivre de manière à te faire plaisir. Seigneur, tes enfants t'ont ouvert leur cœur en ce soir. Et sur ces sujets, ils t'ont présenté tout ce qui leur prenne la tête, Seigneur. Il y en a certains qui ont présenté un enfant turbulent.
un voisin à qui ils sont en conflit, un collègue de travail avec qui ils ne s'entendent pas, un mari ou une femme qui ne les aime plus. Ils t'ont présenté leurs problèmes financiers, leurs problèmes de santé, mais ils t'ont sûrement aussi remercié parce que tu les as bénis. Nous voulons, Seigneur, que tu jettes et que tu répondes aux supplications, aux demandes de tes enfants. Nous t'en supplions. Viens à notre secours et que ce soit chacun ici présent et aussi ceux qui nous suivent à travers le YouTube sentent maintenant ta main sur leurs épaules, leur disant « Mon enfant, je suis avec toi ». Augmente notre foi, Seigneur. Augmente l'amour que nous pour toi et l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. Nous t'avons prié, Seigneur, non pas que nous soyons dignes, mais dans le nom sacré de Jésus, ton Fils. Amen. Je voudrais pendant quelques minutes, chers jeunes, chers amis, chers frères et sœurs, avoir une réflexion autour d'un sujet primordial et important. La relation avec Dieu. Et je voudrais pendant les jours, les quelques jours qui nous restent de cette semaine de prière, nous concentrer maintenant uniquement sur la personne de Jésus. Et sur la relation qu'il voudrait que vous et moi nous aurons avec lui. Le secret, mes amis, pour la bataille du chrétien se trouve dans la relation qui va avec Christ. Tout dépend de la relation que vous et moi nous avons avec lui. Absolument tout. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 1er, versets 45 à 51. Jean 1er, versets 45 et 51. Et voyez-vous, mes amis, nous allons dans ce texte biblique rencontrer mon disciple préféré. Vous savez, il y a des disciples qui sont stars parce qu'on parle beaucoup d'eux. Et ils ont fait beaucoup de choses au nom de Jésus. Lesquels? Pierre. Qui d'autre? Jean. Paul, non, disciple. Les 12. D'accord? Pierre, Jacques, Jean, on parle beaucoup d'eux. Mais il y a un particulièrement où la Bible ne parle pas beaucoup. La seule portion de la Bible qui parle de ce disciple, c'est dans Jean 1er, verset 45 en 51. D'ailleurs, on ne sait pratiquement rien de lui. Mais ça reste mon disciple préféré et vous allez comprendre pourquoi. C'est Nathanaël, mes amis. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu que le deuxième nom de mon fils soit Nathanaël. Il s'appelle Voltaire Soigné Nathanaël. Je vous invite à lire ce qui suit dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, 1er et au chapitre 45. Voyez-vous, mes amis, Jésus est en train de choisir ses 12, les 12 disciples. D'accord? Voilà dans le contexte dans lequel nous sommes. Et il vient d'appeler Philippe. OK? On commence la lecture. Philippe va se rendre vers Nathanaël et va lui dire les paroles qui suivent. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vous. » Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a aucune faute. D'où me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Et Jésus lui dit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celui-ci. »
Notez, mes amis, ce qui est dit au verset 47. Nathanaël et Philippe vont se rapprocher de Jésus. Mes amis, quand Jésus va voir Nathanaël venir vers lui, Jésus va dire ces paroles, « Voilà un Israélite dans lequel il n'y a aucune foi. » D'autres versions disent « Voilà un Israélite dans lequel il n'y a aucune ruse. » Vous imaginez Jésus qui vient et qui rentre à l'église ce soir. D'accord? Il rentre et il arrive jusqu'ici. Et il voit où il dit, mais voilà un satané dans lequel il n'y a aucune fraude. Mes amis, j'aurais tellement voulu que Jésus dise ça de moi. Et j'aurais tellement voulu qu'il dise ça de chacun de vous. Est-ce que vous pensez que si le Christ venait ici en ce soir, il aurait dit la même chose de vous? C'est une question personnelle. Pensez-vous qu'il aurait dit pareille chose de vous? Voilà une église tout entière à qui je n'ai rien à reprocher. Les Douviniens, 20 sur 20. Et pourtant, il a dit ceci de Nathanaël. Moi, je trouve ça magnifique. Et voyez-vous, mes amis, ce que je trouve de bien, c'est que Nathanaël ne va pas prendre la grosse tête. Hein? Mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Camarade, déjà, d'où me connais-tu? On ne s'est jamais rencontré. On n'était pas à l'école ensemble. D'où me connais-tu pour dire une pareille chose, s'il te plaît? Qu'est-ce que le Christ va répondre à Nathanaël? Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël, si toi tu m'as jamais rencontré, tu m'as jamais vu, mais moi oui. Tu ne me reconnais sûrement pas, mais je t'ai déjà rencontré. Et voyez-vous, mes amis, quand Nathanaël va entendre ce mot sous le figuier, on a l'impression qu'au verset 49, il va enfin reconnaître le Christ. Il va dire, et le verset dit ceci, Nathanaël répondit et dit, « Mais Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Tout d'un coup, mes amis, quand Jésus dit à Nathanaël, « Je t'ai vu sous le figuier », on a l'impression que Nathanaël se dit, « Mais oui, mais effectivement, je sais qui tu es. » Cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé sous le figuier, n'est-ce pas? Le secret de cette énigme se trouve où? Sous le figuier. Donc, il faut qu'on aille sous le figuier pour savoir qu'est-ce qui se passe. Déjà, bien sûr, vous imaginez, vous le savez, que le figuier, c'est un arbre. OK? Qui porte un fruit qui s'appelle là, à part figue poyo. D'accord? La figue. Voyez-vous, mes amis, le figuier, c'est un petit arbre trapu, tout petit, avec un tout petit tronc, où on pouvait juste s'asseoir dessus. Juste ça. Il avait d'immenses racines sur lesquelles on pouvait s'asseoir et de grandes feuilles qui pouvaient protéger du soleil. Écoutez bien ceci. La mention sous le figuier est une expression juive. Cela se faisait réellement, mais c'est aussi une expression juive pour signifier que la personne est dans une phase de méditation des Saintes Écritures et de recueil. Qu'est-ce que Nathanaël faisait donc sous le figuier? Comment? Il se recueillait, il méditait. Au fait, quand Jésus dit à Nathanaël, avant que je t'ai vu sous le figuier, avant que tu m'aies vu, je t'ai vu sous le figuier, Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël, ces moments de méditation que tu as, c'est avec mon Père que tu les as.
Et Jésus dit que celui qui a vu mon Père. Donc celui qui communique avec mon Père, communique avec moi. Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël, écoute-moi, on a l'habitude de se rencontrer. Tu ne me reconnais pas alors? Et c'est là que Nathanaël dit, effectivement, Jésus. Mes amis, Nathanaël avait une étroite relation avec Dieu. Et tous les jours, il ne manquait jamais son rendez-vous sacré de communion avec le Christ, avec Dieu et avec le Christ. Dieu, mes amis, c'est le Dieu de la relation. Et il a toujours été dans le plan de Dieu que l'homme ait une étroite et intime relation avec lui. Je redis ceci, il a toujours été dans le plan de Dieu que l'homme ait une étroite et intime relation avec le Christ. Et ça, on le voit dès le récit de la création. Dès le récit de la création. Est-ce que vous vous rappelez comment Dieu a créé les animaux, les montagnes, la mer? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est contenté de parler et les choses ont apparu. Il a parlé. Il a dit à la mer, mets-toi là et tu ne dépasses pas la frontière. Il a dit à la soufrière, mets-toi à Sainte-Anne. Et finalement, il a dit, non, ne va pas à Sainte-Anne, va à Saint-Claude. Il a parlé et les choses se sont réalisées. Mais par contre, quand Dieu a créé l'homme, Ruben, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? La Bible dit que, excuse-moi, Ruben, tu vas t'allonger. Tu n'es plus Ruben, tu es Adam, hein? D'accord? La Bible dit, les enfants, regardez bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va façonner l'homme avec quoi? Avec de la poussière de la terre. Donc Dieu va prendre le temps de s'agenouiller et il va prendre le temps de rassembler de la terre, de formoler l'homme, ok? Il va bien le faire, ok? Non, le bras là, il est trop grand. Hop! Bien le faire, avec de beaux pectoraux, avec sa main, il va façonner l'homme, mes amis. Et la Bible dit que Dieu va créer l'homme à son image. Ensuite, quand il aura façonné l'homme, la Bible dit qu'il va souffler dans ses narines. Donc imaginez Dieu qui se baisse et qui souffle dans les narines d'Adam. Mes amis, je trouve ça merveilleux. Dieu, c'est le Dieu du contact. Ensuite, il va souffler dans les narines d'Adam et Adam va prendre vie. Et la Bible dit, reste là-dedans, que Dieu va créer l'homme à son image. Autant je suis beau gosse, autant il est beau gosse. N'est-ce pas? Et ensuite, la Bible dit qu'il va enlever une côte d'Adam et qu'il va créer la femme, Ève. J'ai créé une femme pour toi. Ève. Elle est cachée quelque part. Peut-être dans cette église ou dans une autre église. Mais vois-tu, Ève, Adam, je l'ai créée pour toi. Il faut aller la chercher. D'accord? Bien. La prochaine fois que je viendrai, tu vas me la présenter. Mais comment? Mais oui. Mais je le taquinais. Voyez-vous, mes amis, Dieu, c'est le Dieu de la relation. Et Dieu, il aime ça, le contact avec les hommes. Et ça a toujours été le désir de Dieu. Relation étroite avec ses créatures. Malheureusement, le péché est apparu. Malheureusement, le péché est apparu. Hélène White dit ceci, écoutez bien. Même à la suite du péché, l'homme peut avoir la même intensité relationnelle avec Dieu qu'avant le péché. Vous avez entendu ça? Même à la suite du péché, l'homme peut avoir la même intensité relationnelle qu'avant le péché. Je dis gloire à Dieu pour ça. Le péché n'a nullement altéré le fait que l'homme peut avoir une étroite et sincère relation avec Dieu. Nullement. Même si Dieu ne peut plus se manifester à nous face à face,
Mais nous pouvons quand même avoir une relation aussi intense avec Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose, je suis sûr de quelque chose. Satan est jaloux de ça. Ça a embêté tout bonnement parce qu'il se dit, il ne comprend pas que tout ce qu'il a fait en Éden, comment ça se fait que Dieu ne déteste pas l'homme. Et ça, ça l'embête énormément. C'est pour ça qu'il fait tout, je dis qu'il fait absolument tout, pour nous empêcher d'avoir une étroite et sincère relation avec Dieu. Ce roi dit aussi également que les anges même n'ont pas ce privilège. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Levez la main si tout le monde a entendu. Elle dit que les anges même n'ont pas ce privilège. Ah, moi je trouve ça merveilleux, mes amis, et ça me fait frissonner. Voyez-vous, les anges sont des êtres qui ont été créés pour être au service de Dieu. Et pour obéir à ses ordres. Vous avez entendu ça, les enfants? Rappelez-vous quand Dieu va malheureusement décider de détruire Sodome et Gomorrhe. OK? Il va charger deux anges d'aller détruire la ville. Il va leur dire, écoutez, je vous donne une mission. Vous descendez sur terre et vous allez mettre le feu à Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont rien dit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont exécutés. Un point, c'est tout. Par contre, quand l'Éternel est venu voir Abraham, son ami, je dis bien Abraham, son ami, il va aussi annoncer à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham s'est permis de faire quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, mes amis, nous l'avons vu hier soir. Quand tu penses quelque chose, dis-le à Dieu. Tu le penses, dis-le à Dieu. Abraham va penser quelque chose et il va faire quoi? Il va ouvrir son cœur et il va parler à Dieu, enfin j'allais dire comme un ami. Il va parler à Dieu, son ami. Et il va entrer en négociation avec Dieu. Abraham va dire, Seigneur, est-ce que s'il y a 50 justes, tu vas quand même détruire la ville? Détruire le juste et le méchant quand même? Non. Et qu'est-ce que Dieu répond? Qu'est-ce que Dieu répond à un homme? Abraham, il n'y a pas de problème. S'il y a 50 justes, je ne détruis pas la ville. Et voyez-vous, mes amis, Abraham parle à Dieu avec le plus grand respect. Je dis bien avec le plus grand respect. Tu peux dire à Dieu tout ce que tu penses, mais avec tout le respect dû à son rang. Et dans Genèse 18, verset 27, il dit à Dieu, Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis une que poudre et cendre. » Mais il dit à Dieu, « Seigneur, et s'il y a 40, est-ce que tu vas détruire la ville ?» Abraham, s'il y a 40, je ne détruis pas. Ensuite 30, ensuite 20, et il va s'arrêter à 10. Mes amis, Dieu a négocié avec Abraham comme on peut le faire avec une personne. Esaïe nous dit, Esaïe 1er, verset 18, « Venez et plaidons. » Le verset ne dit pas « Venez et c'est moi qui vous dirai, je suis Dieu, tu n'as rien à dire. » Venez et plaidons. Dieu, je ne vais pas cesser de vous le dire jusqu'à samedi, veut que vous et moi, nous ayons une étroite relation amicale avec lui. Ah, jusqu'à samedi, hein, que disent ça? Oh? Parce que c'est ce que je suis venu vous dire, au fait. Vous rappelez de Moïse? Tantôt, Israël est avec Dieu. Tantôt, ils n'ont rien à faire de Dieu. Et un jour, Dieu va dire à Moïse, « Moïse, écoute, j'en ai assez de ce peuple. Je vais le détruire. Et de toi, je vais faire sortir une grande nation. » Hé, hé!
Moïse a dit, Seigneur, écoute bien ce que je te dis. Si tu fais ça, tu m'enlèves du livre de vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il n'a pas détruit Israël. Des hommes, mes amis, qui discutent, qui négocient avec le roi des rois. Qui serait content d'avoir ici le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron? Qui serait fier d'avoir son numéro de téléphone? Tu as son numéro de téléphone et tu l'appelles quand tu veux. Vous avez le numéro de téléphone de Dieu, le roi des rois. Vous pouvez être amis avec lui. Et vous devez être fier de ça. Et vous devez saisir cette occasion. Être ami avec Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande opportunité que cela pour un homme. Je voudrais te poser cette question, et tu vas répondre dans ton fort intérieur. Considères-tu que la relation que tu as avec Dieu te permet de dire que tu es son ami? Que chacun réponde à cette question. Est-ce que tu es ami avec Dieu? Est-ce que l'intimité que tu as quotidiennement avec le Christ te permet de dire que Dieu est vraiment mon ami? Si la réponse est oui, mon ami, continue, ne t'arrête pas. Si c'est non, arrange-toi pour te lier d'amitié avec le Christ, je t'en supplie. Amen. Je m'adresse aussi aux enfants et aux jeunes, vous n'êtes pas trop petits. Je dis bien que vous n'êtes pas trop petits pour être ami avec Dieu. Nul enfant n'est trop petit pour nul enfant. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Et surtout parce qu'il t'aime. Dieu désire lier des liens étroits d'amitié avec toi. Et cela passe par une étroite et sincère relation avec lui. Notez ce qui est dit dans Jean 17, verset 3, texte que vous connaissez. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Donc Dieu doit te connaître. Cela voudrait dire que Dieu veut rentrer dans ta plus profonde intimité. Et pour cela, tu dois l'inviter à le faire. Il voudrait rentrer dans ta plus profonde intimité et tu dois l'inviter à le faire le plus fréquemment que possible. Vous savez, Dieu ne rentre pas dans le cœur de quelqu'un si on ne lui donne pas l'autorisation. Vous savez ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que quand je n'invite pas Dieu à prendre possession de moi et que la place est vide, qu'est-ce qui se passe? Satan rentre sans par contre que tu lui donnes l'autorisation de rentrer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et pourquoi d'après vous? Parce que naturellement, de par notre nature, nous sommes pécheurs et amis du diable. Je reprends ce que je dis. Quand j'invite Dieu, il vient. Quand je ne l'invite pas, la place est vide, au fait, elle n'est jamais vide. Le diable monte, lui par contre, sans autorisation. Sans autorisation. La vie éternelle, c'est que tu invites Dieu dans des moments intimes avec lui. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi, mes amis, la vérité? Ou c'est qui, dirais-je? Mes amis, la vérité, c'est Jésus. Parce qu'il dit lui-même que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on comprend bien que la vie éternelle, c'est que Dieu te connaisse et toi aussi tu dois connaître la vérité. Mes amis, nous sommes dans le relationnel, pour ne pas dire dans le fusionnel. Comment apprend-on à aimer quelqu'un, mes amis? Comment on apprend à aimer et à apprécier quelqu'un? Tout simplement, en passant du temps avec cette personne. Tout simplement,
en passant du temps avec ces personnes. Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec elle, n'est-ce pas? Et rien, tu es prêt à faire toute espèce d'espoir pour être avec cette personne. Ceux qui sont amoureux le savent, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont été, ont ça dans leurs souvenirs. Je voudrais vous lire quelque chose. C'est Sébastien qui va envoyer un message WhatsApp à sa copine. Il est tout jeune, il a juste 18 ans. D'accord? Il est apprenti maçon. Et voilà le contexte. Écoutez bien ce message WhatsApp que Sébastien va envoyer à sa copine. Les enfants, soyez attentifs. Ma chérie, je suis en pause, donc je profite pour t'écrire. Je viens de finir de manger. Une fois de plus, j'ai dû partager mon repas avec Ril Gobert, qui a soi-disant oublié sa gamelle. Le garage Renault m'a appelé pour me dire que ma voiture est enfin réparée. Je pourrais enfin venir te voir ce soir. J'ai vraiment hâte que la journée se termine. J'ai vraiment l'impression de t'aimer de plus en plus. Je ne supporte plus de rester trop longtemps loin de toi. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour être à tes côtés? Si la voiture n'existait pas, je pense que je serais capable de faire la distance entre Capesterre et Sainte-Anne à pied pour venir te voir. Ah ouais, Bouglam ou tout bol moi-même. Waouh! À pied, Capesterre, Sainte-Anne, à pied. Si tu habitais au Saint, écoutez ça bien, et qu'il n'y avait pas de bateau, crois-moi, je serais venu te voir à la nage. Ça vous rappelle certains souvenirs? Je suis capable de tout affronter pour être en ta compagnie. Absolument tout. Et il finit son message WhatsApp en disant, allez, je retourne travailler. Dès que je finis de bosser, je rentre chez moi. Je prends une douche, et je viens te voir s'il ne pleut pas. Mes amis, Bougla sorti dit comme ça, qu'il est capable de faire Capesterre Sainte-Anne à pied. Il est capable de faire Guadeloupe et Sainte-Anne à la nage. Mais une petite pluie va l'empêcher d'aller rencontrer sa fiancée. Mes amis, nous pouvons rigoler. Mais des fois, nous avons le même comportement avec Dieu. Nous le chantons, Jésus, je te suivrai. Sois dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Et pendant la journée, faisons toute espèce de choses. Tout passe en priorité. Mais nous manquons le rendez-vous avec le Christ. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes et rater un rendez-vous parce que d'autres choses t'ont occupé. Tu ne peux pas le faire. La relation avec Dieu, mes amis, quotidienne, doit être notre priorité. Priorité, ça doit passer avant toute chose. Ce n'est pas si j'ai le temps, c'est d'abord ça. Sébastien est un petit adventiste qui va à l'église un samedi matin avec sa mère. Il passe voir sa grand-mère qui, elle, n'est pas chrétienne avec sa maman. Et la maman de Sébastien lui donne, écoutez bien les enfants, 2 pièces de 2 euros. OK? Écoutez les enfants. Sa grand-mère lui donne 2 pièces de 2 euros. Donc il quitte chez sa grand-mère, le domicile de sa grand-mère, et il continue à se rendre à l'église à pied. Et il garde ses 2 pièces de 2 euros dans les mains. Mais il joue avec les pièces. Mais malheureusement, une pièce va finir par tomber. D'accord? Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Il va dire à sa grand-mère merci. Il va dire à sa grand-mère, mamie, tu sais qu'est-ce que je vais faire des 2 pièces? Je vais garder une pour moi et l'autre,
je vais la mettre dans la bibliothèque. Donc, une pour moi et une pour Dieu. Il marche, je disais, et que malheureusement, une pièce est tombée, mais elle est tombée dans la bouche des égouts. Il va essayer de la récupérer avec sa maman, mais pas possible. Donc, le pauvre, il est tout malheureux, il lui reste qu'une pièce. Sébastien a toujours sa pièce dans ses mains. Ils sont assis à l'église et voilà que les diacres passent ramasser les dîmes et les offrandes. Sébastien est toujours en train de continuer avec sa pièce dans ses mains. Donc le diacre voit un gamin avec une pièce dans ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il vient avec la sébi et il insiste. Sébastien qui fait? Le diacre. Sa maman lui dit, mais... Bon, d'accord. Donc le diacre, il... N'insiste pas. Ils entrent à la maison. La maman de Sébastien lui dit, Sébastien, comment? Je ne comprends pas. Toi-même, tu avais dit que il y avait une pièce pour toi et une pièce pour Dieu. Sébastien lui dit, oui, c'est ce que j'avais dit. Sa maman lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Sébastien lui dit, maman, mamie m'avait donné deux pièces de 2 euros. Il y a une qui est tombée dans les égouts. C'était la pièce de Dieu. C'était la pièce de Dieu. Je récupère mes 2 euros. Parce que sur les 20 euros de samedi, il me reste 4 euros pour finir le mois. Voyez-vous, mes amis, ne faisons jamais passer Dieu après. Dieu doit être toujours en priorité. Dans notre emploi de temps, dans nos plannings, dans nos rendez-vous, le rendez-vous avec Dieu doit être prioritaire. Priorité. Je voudrais finir en prenant l'exemple du Christ Jésus quand il était sur terre. Mes amis, chers jeunes, Jésus avait une habitude. Je vous invite à ouvrir la Bible dans Marc 1, verset 35. Nous allons lire Marc 1, verset 35. Voilà ce que le Christ faisait à son réveil. Notez ce qu'il est dit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il prie. Le Christ avait cette habitude, à son réveil, de s'écarter dans un lieu silencieux pour passer un moment intense dans une relation avec Dieu son Père. Je vous ai déjà posé cette question, mais je vais la reposer encore ce soir. Pour quelle raison Jésus a vaincu toutes les tentations? Pour quelle raison Jésus n'a jamais péché? Grâce à la relation qu'il avait avec son Père. Uniquement pour ça, mes amis, et rien d'autre. Parce que Jésus était un homme comme vous et comme moi. Uniquement grâce à ce lien qu'il gardait avec son Père. Je vous ai déjà posé la deuxième question, mais je vais vous la reposer ce soir. Est-ce que l'intensité relationnelle dans la relation qu'il avait avec son Père, est-ce que vous et moi, nous pouvons l'avoir? Tout est dans la relation que nous avons avec le Christ, mes amis. Tout est dans la relation. Le matin, mes amis, c'est le meilleur moment où le cerveau est le plus disposé et le plus propice à la méditation, vous le savez. Et je pense que c'est ce moment que nous devons accorder à Dieu. Nos premières pensées devaient être adressées à Dieu. Le matin, c'est le moment où le cerveau est le plus frais, le plus disponible à entendre. Je vous conseille vivement d'accorder ces premiers instants de la journée au Christ, dans la prière et dans la méditation. Il est dit dans Lamentations 3, verset 22, ce qui suit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et voyez-vous, ses compassions ne sont pas à leur terme.
Elle se renouvelle quand? Chaque matin. Cela voudrait dire que quand tu dors, Dieu est là à veiller sur toi. Et dans ses bras, il a un panier de bénédictions et de bonté, comme nous le dit le texte. Et il est prêt à te les donner. Je dis bien, il est prêt à te les donner. Et il attend que tu te réveilles. Imagine ce que le Seigneur ressent quand ton premier réflexe, c'est de regarder ton portable et tes messages WhatsApp. Après, tu te lèves. Tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner, tu prépares tes enfants, tu commences à vaquer à tes occupations et tu t'enfles. Il reste là, les bras pendus avec son sac de bonté dans la main, mais tu ne les as pas pris. Sauf qu'il avait voulu te donner le courage et la force pour résister à toutes les tentations de la journée. Consacre les premiers moments de la journée dans la méditation avec Dieu. Le psalmiste David dit ceci dans le psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin, entendre ta bonté. Notre exemple suprême, c'est Jésus. Jésus ne commençait pas ses journées sans un moment de communion avec Dieu son Père. Alors peut-être que qui te vient en tête cette question. Oui, passer du temps dans la méditation, mais combien de temps? J'ai envie de te dire que ce n'est pas une question de temps, mais c'est une question d'intensité, de franchise. C'est ce qui compte, mes amis. La sincérité du cœur, et ça, nous l'avons vu hier soir. Il ne faut pas se stresser avec la problématique du temps. Par contre, la servante du Seigneur donne ce conseil que je voudrais vous donner ce soir avant de vous laisser. Il nous serait bon de consacrer chaque jour une heure de réflexion et de contemplation dans la vie du Christ. Il nous serait bon. Vous savez, quand Jésus était à Gethsémani, il a laissé les trois disciples et il leur a dit, restez là et priez. Et lui, il s'est écarté pour le faire. Quand il est revenu, qu'est-ce qu'il dormait? Il dormait. Jésus leur a dit, mais franchement, vous n'avez même pas pu prier une heure avec. Pas même une heure, vous n'avez pas pu. La servante dit que si Pierre avait prié au moins une heure, vous savez qu'est-ce qui se serait passé? Il aurait résisté à la tentation de nier Jésus. S'il avait, dans le jardin, prié au moins une heure, il aurait eu la force et le courage nécessaires pour ne pas nier Jésus dans le jardin. Ce n'est pas une question de temps, mes amis, mais quand on aime quelqu'un, je le redis, plus on passe du temps avec elle, et mieux on est. Donc, tu ne peux pas juste t'agenouiller le matin, faire une prière de 5 minutes. Merci Seigneur, accorde-moi de passer une bonne journée, protège-moi des accidents, machin, c'est tout. Mais non, quand on aime quelqu'un, plus on passe du temps avec elle, et mieux on est. Avant de finir, je voudrais te dire ceci. La clé de la réussite pour nous chrétiens se trouve dans notre relation avec Dieu. Le courage et la force nécessaires afin de pouvoir résister aux tentations, nous les acquérons dans la relation avec Dieu. L'amour qui nous permet d'aimer notre prochain et même nos ennemis, nous pouvons l'acquérir grâce à la communion avec Dieu. Et surtout, le vrai bonheur n'est pas dans la satisfaction de la vanité et du luxe, mais dans la communion avec Dieu. Je voudrais tous ici présents, si vous le faites déjà, que vous continuez vos moments de prière et de méditation. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Mais si depuis quelque temps tu l'as négligé ou que tu ne l'as jamais fait, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Et prends, je t'en supplie, la ferme décision. Je dis bien la ferme décision. Quotidiennement, de consacrer du temps à Dieu et de faire de lui ton ami. Et je le redis pour vous aussi les enfants, vous n'êtes pas trop jeunes pour être amis avec Dieu. Vous n'êtes pas trop jeunes. Personne ici n'est trop jeune. Dieu n'attend que ça.
et il ne désire que vous et moi, nous soyons amis avec lui. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons entonner notre chantème. Il est bon de partager l'amour du Seigneur. Il est bon de partager l'amour du Seigneur. Cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés, on a tout ce qu'on peut espérer. Mille raisons de le louer, et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous croyons tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à partager la vie. Oui, nous voulons proclamer que Christ changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit à partager la vie. À partager la vie. Seigneur, notre intelligence ne nous permettra jamais de comprendre comment tu nous aimes. Pourquoi, et pourtant, l'homme t'a tourné le dos en Éden et tu désires quand même te lier d'amitié avec nous pauvres pécheurs. Quel privilège suprême et magnifique que tu nous accordes. Tous ici, ce soir, nous voulons devenir tes amis. Nous avons pris la ferme résolution d'avoir et de prendre quotidiennement du temps avec toi. Tous les jours, tu nous donnes rendez-vous et nous ne voulons plus manquer ce rendez-vous, Seigneur. Veille sur la promesse de tes enfants et accorde-nous la faculté de tenir notre promesse, Seigneur. Et un jour, tous tes amis seront au ciel avec toi. Amen. Et nous voulons faire partie, Seigneur. En attendant, nous voulons que tu nous accordes l'assurance que tu veilles sur. Raccompagne-nous, Seigneur, avec l'assurance que tes anges gardiens nous accompagnent. Et que nous revenions ici demain soir au sabbat pour vivre un moment fraternel dans la communion et dans l'étude de ta parole. Nous t'avons prié, non pas que nous soyons dignes, mais dans le nom sacré de Jésus, ton Fils. Amen. À demain soir, mes amis, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Bon de partager l'amour du Seigneur, cette passion qui brûle dans nos cœurs. Avec Jésus à ses côtés,
On a tout ce qu'on peut espérer, mille raisons de le louer, cette envie de tout donner. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Nous croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à partager la vie.